Depuis l'année a commencé, dans deux soirées de gloire, pasteur nous t'a dit nous, pendant toute l'année, nous avons pour parler du fruit de l'esprit. Nous avons parlé qui ça qui est fruit de l'esprit et comment il est capable de manifester dans la vie, moi-même, ensemble avec vous. Dimanche passé, pasteur nous t'a parlé là, qui Jean pour nous remer bon Dieu. Ensemble avec nom qui j'aime moi-même ensemble avec nous parlerons mais bon Dieu ensemble avec nom. La Bible dit dans Deutéronome 6 le verset 5, il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Remer bon Dieu, il te dit remer bon Dieu ensemble avec force, c'est remer bon Dieu ensemble avec corps. Son monde qui grand pile force pour venir l'église grand pile force pour venir en présence mon Dieu, il grand pile force lorsque en présence mon Dieu dans salle il jumpe avec force. C'est ça son monde qui remet bon Dieu ensemble avec force. Un conseil te dit nous tout nous capable remet bon Dieu ensemble avec nom nous qui gagne trois éléments la donne, li gagne ça ou elle intellect, émotion et volonté. Et on a réalité encourager nous, il était encourager nous pour nous remet bon Dieu ensemble avec nom nous. Remet bon Dieu ensemble avec remet bon Dieu avec pensée nous. Remet bon Dieu ensemble avec pensée nous, c'est penser même gens bon Dieu penser. Si bon Dieu pas vle on bagaille, si bon Dieu pas remet on bagaille, lorsque on pense même gens ensemble avec bon Dieu ou même tout automatiquement ou déjà pas remet bagaille là. Comme ça tout si bon Dieu remet yon bagaille automatiquement dans cœur parce que bon Dieu remet bagala ou même tout ou déjà remet tout parce que ou même ensemble avec bon Dieu nous connecter ou même ensemble avec bon Dieu nous gain même pensée comme ça tout il était encourager nous pour nous remet bon Dieu ensemble avec l'esprit nous remet bon Dieu ensemble avec l'esprit nous c'est remet bon Dieu avec partie qui plus profond de nous-mêmes c'est remet bon Dieu avec partie qui plus profond de nous-mêmes ça veut dire remet bon Dieu avec cœur nous. Lorsque ou dit yon moun moi remon à tout cœur ou bien ou dit bon Dieu moi remon à tout cœur c'est remon avec tout ça qui en dame moi remon avec partie ça qui plus profond dans moi-même moi remon avec tout ça que me gagne moi remon avec tout cœur. Mais lorsque on lit dans Matthieu 22 verset 37 et 39 là la Bible parle nous en Jésus-Christ. Jésus-Christ fait même citation ça dans Deutéronome 6, le verset 5 là. Mais dans verset 37 là, Jésus-Christ pral ajouter une autre bagaille. Jésus-Christ pral dit Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 39 là dit et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Même gens où remet tes tout, même gens où apprécier tes tout, ou pral besoin remet prochain là, même gens. Même gens où gain pitié pour tes tout, ou patient envers propre tête pau, c'est même gens tout où pral besoin patient ensemble avec prochain. Ça c'est une bagaille que pour aller, une bagaille que besoin gagner pour remet prochain, sous pral commencer remet prochain ou pral besoin patience, ou pral besoin apprendre pratiquer la patience envers prochain. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3 le verset dans 1 Corinthiens 13 le verset 4, la Bible dit dans 1 Corinthiens 13 le verset 4, il dit l'amour est patiente. L'amour est patient. Si ou gen l'amour dans cœur ou vin au monde qui automatiquement patient. Ou pral besoin patient ensemble avec prochain. Maintenant, patience, qui définition patience frère Sanley? Patience vient du mot latin patio qui signifie souffrir. C'est de ce mot-là que nous avons la passion de Christ. Ça veut dire la souffrance de Christ. C'est un monde qui a une capacité pour souffrir
pendant longtemps sans que ça pas dérange il, sans que ça pas bal problème. Son monde qui ont capacité, il pas de problème pour souffrir, pour tendre un monde grandi, pour souffrir ensemble avec un monde. Et puis ça pas bal problème parce que le connaît qu'on résultat que la tonne dans la vie monde ça, et puis la chercher dans la vie monde ça, prend patience ensemble avec monde ça. Mais je voulais faire comprendre tout. Il y a une différence entre un monde qui patient et un monde qui tolérant. Tant que la Bible parle nous d'Élie dans 1 Samuel, la Bible parle nous d'Élie, sacrificateur Élie, qui a eu deux petits Ophni ensemble avec Finé. Monsieur a fait tout désordre en dans le temple. Monsieur même fait désordre avec fille en dans le temple. Élie compte ça. Élie pas jamais confronté monsieur pour dire monsieur ça n'a fait pas bon. Et parce que ça n'a fait pas bon, m'a retiré nous dans wall ça que nous t'ayant malgré nous c'est petit moi ou pas, m'a retiré nous dans position. Mais Élie toléré monsieur, il toléré monsieur, il toléré monsieur jusqu'à ce que non jour tous les deux monsieur mourir. Et dans le même jour, en tout, elle est mort. Patience, ça ne va pas vous conforter au monde. Je suis patient ensemble avec vous, mais je suis conforté. Bon Dieu patient ensemble avec nous, mais bon Dieu conforté nous. Lorsque nous faisons erreur, lorsque nous faisons bagarre qui mal, bon Dieu, par les voix et prédicateurs, lorsque vous appelez la Bible, il exhorte à travers sa parole. Bon Dieu parle ensemble avec vous, il dit ok, mais qui j'en pour faire ça bien, mais qui j'en pour corriger la voie, mais qui j'en pour avancer. Bon Dieu confronte vous. Lorsqu'on a un problème dans la voie, bon Dieu confronte vous. En même temps, il est patient. Maintenant, si vous comprenez ça, me dire. Patient, ça ne veut dire ou pas confronter au monde, ou parler avec elle, ou parler avec elle avec un pile sagesse. D'ailleurs, confronter au monde et parler avec un pile sagesse, c'est un signe d'amour. Si moi, je fais un bagage qui mal, et me parle l'eau pour me dire ok, je fais un bagage qui mal, c'est que je raille. M'raillou, m'ta mon pays. M'ta mon pas réussi. Mais si t'as aimé un monde réussi, ou confortel, ou relèl, ou parler ensemble avec elle, au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, quels sont les signes de l'impatience? Quels sont les signes de l'impatience? Qui signe yon monde pral manifester, qui pral prouver impatience li? Premièrement, premier signe de l'impatience, c'est lorsque vous sentez ou ennuyé. Ensemble avec un monde, vous sentez vous ennuyé, vous sentez présence monde ça contrarié, vous sentez présence monde ça dérangé, vous sentez présence monde là bouleversé, présence monde là pas problème. Est-ce qu'on comprend? Quand monde nous sentons pas à l'aise ensemble avec nous, quand on est depuis le fini là où ou bouleversé lorsque ouais monde ça sentez contrarié, vous sentez ou quand on rentre des journées à cariac, vous sentez pas une journée à cariac depuis me rencontrer avec monde ça. Ça, c'est un premier signe de l'impatience. Un deuxième signe de l'impatience, c'est lorsque vous fâchez. Ou est mon nom, ou fâchez. Lorsque nous fâchez, c'est lorsque nous mettez nous en colère et nous décidez pas supporter mon ça. Lorsque me fâchez contre mon, lorsque me fâchez contre un prochain, lorsque me chatant moi prochain ça, moi mon ça, me fâchez contre lui, sont signes qui pour montrer que m'pas décidé supporter mon ça encore. De premièrement, on est ennuyé. Deuxièmement, on est capable de fâcher. Et troisièmement, on est capable de révolter. Révolter, c'est refuser d'accorder davantage spirituel, moral ou financier à un monde. Lorsqu'on révolte contre un monde, lorsqu'on révolte contre un prochain, c'est Dieu dit bon, question pour m'aider financièrement, ou bien pour m'aider moralement, ou bien pour m'acheter ensemble avant, pour m'bon conseil, bagage, ça n'a pas fait un moment ensemble avant encore, ça rampe là, ça finit. Ça son monde ou révolté contre lui-même. Maintenant, sans les, pour moi, les prochains, je comprends qu'on a là besoin patient, besoin patient. Mais qu'on a là qui c'est qui ou un deuxième élément que besoin. Ou besoin, river nos dimensions côté que ou pas à chercher propre intérêt dans le monde ça et pour capable intérêt monde ça. Ou pas à chercher propre intérêt pas dans la vie monde ça dans la vie prochaine mais ou chercher intérêt pas monde pour capable grandir. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13 le verset 5, la Bible dit l'amour ne fait rien de malhonnête
L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne cherche point son intérêt. M'dap di matin, en pile fois nous trompons nous lorsque nous dit nous aimons au monde. Mais en pile fois nous dit nous aimons au monde. C'est pas monde nan nous aimons vrai. C'est fruit mon abay nous aimons. Nous est fruit à dou. Lorsque ou rive non pied mango nan époque mango ou paraît ou kay compte mango ou nan pied mango a les fin ou virer do aller ou pa reme pied mango a ou reme fruit ki nan pied mango a pile moun ki do a di oh ma reme pasteur Greg ou quand ta pou pasteur Greg reme pasteur Greg ki so reme ou depuis le prêcher mbeni ki so pa prêcher pou mba béni a oublier ça depuis le prêcher mbeni ou pa reme pasteur Greg ou reme fruit prédication pasteur Greg. Son remel combien fois ou passe son temps dans la prière pour lui oublier tête tout et pour intercéder pour lui. Et c'est ça que l'amour en pile dans nous tout nous fait quelques mariages tout nous fait quelques mariages c'est parce que nous pas contre sacrer l'amour nous pas faire différence entre fruit et vrai l'amour. Mon matin moi qui marié ensemble avec un monsieur parce que monsieur a qu'on écrit français bien. Li marié ensemble avec moi, li gon mariage misérable. Mariage à misérable. Monsieur qu'on écrit français bien, ça son fruit. Mais l'amour allait deep and vraiment comme personne vraiment en Jésus-Christ ba mes fruits. Quoi pas là, mais vraiment en Jésus-Christ. Ou pas aimer fouiller au monde, mais on remet mon nom comme bon Dieu m'a dit ça. Et qu'on a fait ça, c'est une raison Jésus-Christ t'est mouru pour nous. La Bible dit dans Luc chapitre 9, le verset 23, Luc chapitre 9. Verset 23, il dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Si on mourrait même, ou renoncer à tout ça qu'on gagne, à tout propre désir, à tout ça qu'on a possédé, ou renoncer avec tout nous-mêmes, et puis la Bible dit, pour prendre croix, chaque jour pour suivre moi. Et c'est ça que les remets prochains tout. Remets prochains c'est plier tout propre intérêt mieux. Plier tout propre souci moi. Plier tout problème moi et puis chaque jour prochain ça, zami ça, HP ça, groupe ça que me la donne, me dit m'a prêmer tout monde la donne malgré Jean ça y m'a prêmer tout monde la donne sans intérêt. Rémer bon Dieu, rémer prochain sans intérêt. Et frère, comment nous capables vaincre l'égoïsme? Comment moi et moi ensemble avec vous, nous capables vaincre l'égoïsme? La Bible dit nous dans Matthieu 16 le verset 25, Matthieu 16 le verset 25, il dit car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Gen on version moi mais en pile Jean l'expliquer. Version semeur là, il dit celui qui est préoccupé de sa vie la perdra. Yo moun tout ça qui préoccupé l'esprit. C'est propre tête pâle, c'est propre lui-même. La Bible dit ou a perdu. Et dans Philippiens chapitre 2 le verset 4, dans Philippiens chapitre 2 le verset 4, la Bible dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Parce que pour moi considérer propre intérêt pas
Parce que pour penser avec tête seulement lorsque ma la prière, la Bible dit, considère aussi ceux des autres. Prends temps pour camper pour un frère dans la prière. Prends temps pour camper pour un ami dans la prière. Prends temps pour camper pour un monde où qu'on est mariage sur route pour craser. Prends temps pour camper pour un monde où qu'on est mariage sur route, mariage qui a pile problème la donne. Prends temps pour camper pour un petit monde où qu'on est drogue envahit l'esprit, marijuana envahit pensée. Prends temps pour camper pour un petit monde pour intercéder pour lui. La Bible dit, passez pour ma considérer propre intérêt, bam. Apprendre aussi à considérer intérêt l'autre monde. Et tout à l'heure, on te parle de remet fruit que le monde baille. Ou quand ça le plus souvent qui crée trahison, ça crée trahison, c'est parce que je n'ai pas d'investissement dans la vie. Si par exemple, un jeune prédicateur, là, prédicateur qui prêche la parole de Dieu, l'el campé là, ou béni, ou senti, ou recevoir un bagage dans l'esprit. Ou. Puis, d'un coup, attendez, ils font un bagage qui mal. Moun qui parle, moun qui parle mal, là, c'est moun qui par contre prend temps dans la prière pour lui. Mais si me connais lorsque me camper devant mon Dieu, me connais plier tête moi. Si me connais me connais rester sous genou pour jeune prédicateur ça, si me t'attendre le fond barak qui mal. Me connais bien investissement dans la ville, me pas parler mal. Ou pas pas courir craser investissement comme ça. Les petits tout font bagaille. L'autre attend les petits tout gommer l'école là ou bien font désordre l'école là. Ou bien petit tout tomber dans bagaille, il pas supposé tomber là-dedans. Ou pas critiquer pour petit pas. Parce qu'on a trop investissement dans la vie de monde ça. Ou gè batnay dans ti monde ça, ou gè manjo dans ti monde ça, ou gè cob dans ti monde ça, ou gè radon dans ti monde ça, ou gè tennis dans ti monde ça, ou pas parler le mal. La Bible encourage nous, la Bible encourage nous pour nous apprendre investir dans une l'autre. Et lorsque moi investis dans la vie, lorsque je campe pour dans la prière, lorsque moi souffre pour les gens que la Bible dit, lorsque je t'attendais au fond, je ne parle pas mal. Parce que nous abdil ensemble avec des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Avant, la Bible dit, vous êtes des hommes de Dieu. Vous êtes hommes avant. Ça veut dire, yo café erreur, yo café bagay ki mal, yo café ça pas bon. Mais responsabilité envers prochain, hein? Responsabilité envers moun sa, m'pa la pour critiquer, m'la pour camper ensemble avec eux et continuer remè ou malgré tout. Continuer remè ou malgré tout. Mais fais semblant comprendre tout ça dit. Je comprends ce que je dis là. Je dis pour être patient et encourager pour ne pas être égoïste ou encourager pour ne pas chercher propre intérêt pour apprendre à chercher intérêt proche mieux. Mais qui ça me rappelle ce qu'on est lorsque yon bagay passé, gon problème qui passe? Parce que nous là, nous c'est hommes. Capable de problèmes qui passent dans mitan nous pendant vivre sur la terre ou t'es qu'a fait mauvais choix dans la vie et puis gon bagaille qui passait qui ça me pral faire la Bible encourager nous pour nous pas kembe amertume dans cœur pour proche nous m'pas ka remé si m'gagne amertume dans cœur si m'gon bagaille contou dans cœur. Si m gon problème nan kèm kontou menm. La Bible dit nan 1 Corinthiens 13 verset 5 là, il dit l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal.
L'amour pas kembe le mal. L'amour pas consommé le mal. Surtout envers prochain ou pas kembe mal contre prochain dans cœur. Ou pas kembe mal. Et puis devant un message, m'bral bon solution. Qui j'en pour pas kembe mal? Parce que pendant qu'on vit sur la terre, moun capable faire des bagages qui graves. Capable toujours des bagages qui graves qui rivaux. Mais responsabilité, c'est obéir avec ça la parole de Dieu dit maintenant. Qui c'est l'amour par amertume la donne. Ça c'est responsabilité. T'en prends quelques exemples ensemble avec vous. Je prends deux exemples ensemble avec vous. La Bible parle nous de un homme qui était relé Joab. Joab, monsieur, c'était général dans l'armée David. La parole de Dieu dit nous dans 2 Samuel, chapitre 3, lorsque Saül fin mourir, Abner, qui c'était général dans l'armée Saül, vint réconcilier avec David à Hébron. Réconciliation, en fait, mon cher, je connais un problème ou même ensemble avec Saül, même vint fort connaît qu'on est là, je là pour la paix, nous pas là pour la guerre encore. En fait, je décide de servir, souvle me servir, je décide de servir. Et puis Joab, qui bat là, lorsque la paix a fait là, David dit tout le monde, ok, qu'on a la Abner libre dans le pays pour fonctionner. Abner libre dans le pays pour fonctionner comme un citoyen parmi nous parce que le pas un ennemi. Mais Abner, mais Joab qui parle là, lorsque Joab tendait causé, Joab fâché lorsque il tendait causé. Et puis Joab relé Abner, là l'on côté à part ensemble avec Abner. Et puis la Bible dit, monsieur prend épée, la tri, dans le fort Abner. Et puis Joab dit, et par où même ça, qui t'a tué frère, Azaël, mais qu'on a la vie de propose faire la paix avec roi, pour la voca en paix, venger frère dans Jodia. Pendant tout le temps, Joab te kembe yon amertume dans le cœur. Et monsieur tue général l'armée Saül là, parce que général là t'es tué frère. Il y a une deuxième bagarre monsieur fait. Une deuxième bagarre monsieur fait. T'es qu'on révolte en Israël. C'est un petit David yo qui t'a fait révolte là. Monsieur il est Absalom. Pendant que David n'a caché comme ça, David n'a marron. David a dormi dans la forêt. David a dormi dans la rage parce que propre petit a persécuté. La parole de Dieu dit, David dit, monsieur, quel que soit chance, pas oublier Absalom, c'est petit moi lié. Pas oublier quel que soit chance, il t'a voulu tuer pour le prendre pouvoir. Mais ce voulait faire nous comme ça, je dis. Absalom ça est petit moi lui. Quel que soit chance ça est, monsieur, pas manel. Si je ni marel, potel ban moi. Qui t'aime régler ça entre papa et petit. Et puis la Bible dit Absalom pendant son cheval comme ça. Par exemple, monsieur a couru comme ça. Cheveux, monsieur. Monsieur, t'es un cheveu long. Cheveux, monsieur, collé. Non, branche bois. Et puis la Bible dit, monsieur, suspendu dans l'air. Il y a un serviteur Joab qui voit ça. Pendant serviteur Joab qui voit ça, l'alcool Joab. Joab dit, pourquoi tu n'as pas tout pété fiel? D'abord, 10 cycles d'argent, tu es pété fiel, monsieur, qu'on y a là. Et puis, serviteur qui est loyal avec David.
Serviteur a dit, même quand tu as pam 10 000 sikh d'argent dans même kounya là, pour te tuer petit roi, je ne peux pas faire des choses comme ça. Puis je lui ai dit, range le corps là. Et puis la Bible dit, pendant que Salomon en pleine vie, pendant que monsieur tout vivant, bagala simple, si roi dit pas tuer petit moi, et bon Dieu fait le croquer, non bagala en pleine vie, c'est pas dans la bataille là, un coup de flèche te frappe et il mourit. Descends, nègre, à terre, marrel pour te le baroua. Et puis la Bible dit, monsieur pon javelot. Et puis l'entrée dans votre Absalom. Et tuer petit roi. C'est ça que fait, ou pas loin, lorsque Salomon prend pouvoir, la Bible dit, you n'a pas craint que David fait Salomon promettre, c'est pour le tuer Joab. Il dit, nest ça, tout il. Pas quitter l'envie. Parce que avec esprit d'amertume qui n'en colle là, pas oublier, monsieur, t'es couru derrière Adonija. Ça veut dire, monsieur, qui a toujours une amertume dans le cœur pour le tuer, pour faire Adonija prendre pouvoir. Et pas oublier, malgré que t'es dit, nègre, piga ou tué, folle Absalom, monsieur, t'es prend décision pour te tuer Absalom. Et bien, ce qu'on pourrait saluer Absalom, parce que Absalom t'est brûlé, yon chant que t'es gagné. Yon chant qui t'est rapporté des intérêts dans 2 Samuel chapitre 14. Monsieur décide de tuer Absalom pour le capable de venger Absalom pour ça. La Bible dit, monsieur, tuer petit roi pour le capable de venger. Qu'on deuxième nègre, non, monsieur, il est Achitophel. Non, monsieur, il est Achitophel. Monsieur, c'était Yuntou qui était dans l'armée David. Là. La Bible parle nous de Achitophel. Dans 2 Samuel 16, le verset 23, on nous garde qui est Achitophel. 2 Samuel 16, le verset 23 dit, les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient d'autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel pour David, soit pour David, soit pour Absalom. Ça veut dire, Achitophel, le Achitophel fin parler, ou pas besoin à consulter bon Dieu encore. C'est comme si, et bon Dieu était descendu en personne qui parlait. Et pas ça la Bible dit là. Amen. Et pas ça la Bible dit là. L'homme n'a fin parler, ou pas besoin à consulter bon Dieu. C'est comme si bon Dieu était descendu en personne qui parlait à travers l'homme. Mais comment fait un homme de Dieu puissant comme ça, qui était dans l'armée David, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, trouver, trahir David pour la joindre à Absalom? Qui te font révolte. Mal faut qu'on pour qui ça. On ouvre la Bible, nous ensemble avec dans 2 Samuel 23 le verset 34. 2 Samuel 23 verset 34. Mais ça le dit, 2 Samuel 23 verset 34, projection you guys have it. Thank you. 2 Samuel 23 verset 34. La Bible dit Eliphelet, fils d'Abiskaï, fils de Maakatien, Eliam fils d'Achitophel de Gilo. Eliam, c'était petit Achitophel de Gilo. Et qui est Eliam Saïe? On nous garde ensemble avec dans 2 Samuel 11, le verset 3. 2 Samuel 11, verset 3. David fit demander qui était cette femme? Ça, c'est le Bathsheba, t'as baigné, et puis David, t'es sur le balcon, t'as contemplé Bathsheba. David fit demander qui était cette femme et on lui dit n'est-ce pas Bathsheba fille d'Eliam femme d'Uri le Hétien. Achitophel fait Eliam
Eliam font petite fille, yorele Bathsheba. Bathsheba marié ensemble avec Uri. Cela veut dire Uri c'est petit garçon Achitophel par alliance parce que le marié avec petite fille qui c'est Bathsheba. You guys get it? Le David tué Uri, David pas tué yon simple homme. David tué petit garçon Achitophel. Et depuis l'heure à tout, Achitophel gon amertume dans le cœur pour David. Le Absalom a fait révolte. L'a cherché tuer David. Et puis monsieur a sélectionné tout le monde qui a problème ensemble avec David dans le pays. Achitophel, c'était une ladeur. Comme monsieur tué petit moi, pas de problème pour mes dos tuer monsieur pour me venger. Ouais, jusqu'au terme tu n'allais. Ouais, jusqu'au terme tu n'allais. You nom l'el parle ou pas besoin de consulter bon Dieu encore. You nom l'el fin di yon bagay ou pas besoin de consulter bon Dieu encore. C'est comme si bon Dieu te descend qui parle. Mais qui gon amertume dans le cœur. Puis la Bible dit, dans 2 Samuel 17, verset 23, la Bible dit, monsieur bat en conseil, bon Dieu détourne le conseil là. Et puis monsieur fâché. Parce que le conseil li bala. Conseil li te bala. Bon Dieu détourne conseil là. Et puis li wè parce que bon conseil li bala pas réalisé. Et puis la Bible dit, Monsieur Pantelli. Ouais, juste côté amertume rive. Amertume fenegla Pantelli. On nous dit Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Maintenant, frère Stanley, je comprends que amertume sont aucune chaîne problème. Je comprends amertume qu'a fait perdre la vie. Amertume qu'a fait tuer moun. Amertume qu'a fait mal vivre ensemble avec frère et ensemble avec sœur. Amertume capable faire plein qu'on gagne pour la vie n'a pas qu'à réaliser. Parce que quand pile jeune fille ou ancien ménage, a été mal vivre ensemble avant 15 ans après, ou toujours penser avec ancien ménage. Parce que cœur, dans cœur, papa, ou gon amertume, bon Dieu pas qu'à bon mari. Et pas parce que bon Dieu pas de plan pour le marié, bon Dieu a plan pour le marié, mais avec amertume ça, ou pas le maltraiter homme de Dieu, bon Dieu pas parler un homme de Dieu dans mon avec un cœur comme ça. No. I will run away from you. Si on nous croit amertume dans comme pas parler proche, pas parler bagarre comme si bagarre non, sont dangereux. Amertume, Abel, Caïn, fait tuer Abel. Il y a un problème ensemble avec M. Nankem, je suis fâché contre lui. Parce que bon Dieu accepte avec tout sacrifice. Bon Dieu pas accepte avec sacrifice. Bon, tu me fais un complot, tu me tues, monsieur. Tu me finis ensemble avec la vie, monsieur. Et puis la Bible dit, premier crime qui fait sur la terre, c'est un frère qui tue un frère parce qu'il était jaloux, parce qu'il était une amertume dans le cœur contre frère. Mais frère Stanley, quelle solution à problème ça? Je suis capable de comprendre son gros problème qui pose en pile division dans l'église. C'est vrai, nous, États-Unis, nous pas qu'à fouer une épée dans le ventre au monde, même Jean Joab te fait parce qu'il y a Kembe,
fingerprint moi la FBI a gete mete bagay a gete kebem mais dans cœur en pile fois dans cœur nous tuer moun nan cœur nous tuer moun nan cœur nous tuer moun ou même senti gen des fois ta fait prier leur prier psaume 35 Let dad ap di nou répéter parole on a chassé démon ou senti dans cœur wash que dad ap di pour tomber sous démon on senti c'est sous monde ça pour wash ta tomber pour senti à l'aise faut monde ça ta mourir pour senti à l'aise mais même faut comme ça amertume son démon lié même que monde dans fin mourir démon apprêté en séménage même qu'elle fin mourir bien séméri ça même qu'elle fin mourir démon apprêté là dans cœur li pral faut rayon l'autre monde mais la prête est là dans le cœur. Frère Stanley, qui j'ai pour me délivrer de problème ça? Je suis capable de comprendre son problème grave. Et j'ai besoin de délivrer. Je ne veux pas vivre comme ça encore. Je ne veux pas vivre comme ça. Je ne veux pas l'église pour mon Joab. Je ne veux pas l'église pour mon Achitophel. Je vais aller à l'église pour que Dieu utilise puissamment et puis dans le fait ministère pour me tuer. Je vais aller au ministère comme ça. Je vais aller à la vie. Je vais aller à la carrière dans l'évangile fini comme ça. Qui solution avec problème ça fait sans lui? Je vais délivrer de lui. La Bible parle nous dans Exode chapitre 15. Exode chapitre 15, verset 22 à 27. La Bible parle nous, peuple Israël sorti en Égypte. Pendant que peuple Israël sorti en Égypte. Et puis la Bible dit, yo rifon côté qui est les maras. Peuple a rifon côté qui est les maras. Et puis peuple a soif de l'eau. Peuple a besoin de l'eau pour yo boire. Yo soif, yo besoin de l'eau pour yo boire. Et puis la Bible dit, peuple a arrivé pour contre sous de l'eau. Yon sous l'eau qui c'est soulagement. Mais lorsque peuple apprend, lorsque peuple apprend de l'eau pour boire, la Bible dit l'eau est amère. L'eau est amère. Nous dit amère. L'eau est amère. Et puis la Bible dit peuple a plaigné par Moïse. Peuple a complété par Moïse. Yon dit Moïse c'est tout yon vint tout yon nous dans le désert ça. Et puis la Bible dit bon Dieu prend tout plaigné peuple là. Moïse prend tout plaigné peuple là. Et puis il porte le bas l'éternel. Il dit bon Dieu indique pour ça pour me faire. Parce que je ne sais pas ça pour me faire dans ces circonstances ça. Pas oublier ce premier problème Moïse te rencontré ensemble avec peuple là. Il est sorti en Égypte. Moïse par contre ça pour le faire dans la situation il par contre ça pour le faire dans la circonstance et puis la Bible dit bon Dieu indique Moïse pour l'alpon bois on nous dit prend bois Moïse alpon bois pendant Moïse alpon bois t'aimes fort comprendre bois ça que Moïse te prend pas un simple bois bois ça c'était Jésus-Christ lui-même. La Bible dit dans Jean 15, verset 1er, Jésus-Christ dit, je suis le vrai cèdre. Moi, c'est vrai pied-bois. Et mon père est le vigneron. Ça veut dire, moi, c'est vrai pied-bois. Et papa, c'est mon qui prend soin pied-bois. Ça veut dire, pendant que papa a prend soin pied-bois comme ça, et puis, ouais, Moïse qui a un problème. Moïse qui a un problème. Et puis, la Bible dit, mon cher, comme ou c'est vrai, c'est plat. Moi obligé couper un bout dans rue Jésus sans penser. Moi obligé couper ton bout dans rue pour de l'eau sa douce. Jésus dit pas de problème. Pas de problème, faut que yo boive de l'eau parce que yo soif. Et nous te retirons en Égypte. Faut que yo boive de l'eau quand même parce que yo soif. Et puis la Bible dit bon Dieu indique à Moïse pour l'alpon bois. C'est bon Dieu t'a indiqué Moïse qui boit pour le prendre parce que Jésus dit je suis le vrai cèdre. Ça veut dire si Jésus dit je suis le vrai cèdre, t'es grand pile faux cèdre, t'es grand pile pour boire ta terre. A comme Shadabasi, t'es grand pile pour boire ta terre. Mais bon Dieu indique Moïse qui boit pour le prendre parmi tout bois ça yo, parce que des faux cèdre, des faux bout de bois. Moïse paraît après bon Dieu fin indique qui bout de bois pour le prendre. La Bible dit Moïse prend bois et puis la gueule notre loi, l'eau a changé, l'eau ça qui était amère, lui changer en douce. C'est pour me dire après midi.
quel que soit problème qu'on t'a gagné, problème amertume qu'on t'a gagné, pas de monde qui a fait bagaille pour vous, c'est Jésus seul. Lâche Jésus sous problème, non. Lâche Jésus sous haine, non. Lâche Jésus sous amertume, non. Lâche Jésus sous circonstance, là. Lâche Jésus sous problème, ça. Pas gagné qu'on a fait. Pas gagné Israël de café. Pour te changer de l'eau, ça. En de l'eau douce. Mais lorsque on prend Jésus, aïe aïe aïe, lorsque on prend Jésus, lorsque on prend Jésus, yon la quelle en gloire, gloire changé en douce. C'est vrai, moun n'en font mal. C'est vrai, Marie a trompé partout. C'est vrai, lui humilié. C'est vrai, dans le cas là, lui méprisé. C'est vrai, dans le cas là, pour l'autre fils. Lui même entré dans le cas là avec fille. Même toujours dit. Problème ça qui gagne, prends Jésus, la guerre sous lit, prends Jésus, la guerre sous lit. Moïse, prends Jésus, et puis la guerre, notre loi amère. Et puis la Bible dit, yon seul bout de bois transformé tout en sou. M'pa besoin de connaître qui ça te fait gloire amère auparavant. M'pa besoin de connaître qui ça te passé qui fait gloire amère. Bon diable dit au monde là, m'pa besoin de connaître qui ça te passé dans vie ou. Qui faut que amertume dans cœur. Mais dégageons pour Jésus, dégageons pour bout de bois pour là, la guerre sous problème. 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 Ou pas qu'à délivrer tes tout. Parce que pas gagner Israël t'es qu'à faire pour changer de loi. Pas gagner Moïse t'es qu'à faire pour changer de loi. Mais bon Dieu éthique Moïse, yon pour toi. Bon Dieu dit Moïse, mon bout de bois qui résout le problème. Non. C'est vrai que pile bout de bois à terre, même tout bout de bois ça c'est Jésus lié. Bout de bois ça c'est lui qui résout le problème, amertume. Prends les billes à quel endroit et prends une solution avec problème. Je suis le vrai. C'est. Moi, c'est vrai pour toi quoi chercher. Je voulais faire comme ça, tout le monde capte. Qui capte de mal à la radio, je regarde, quelque soit côté, je regarde. Quel que soit problème ou t'as gagné dans la vie, Jésus, c'est vrai pour toi quoi chercher pour résoudre le problème. Je suis le vrai sèvre. M'pas un simple sèvre. M'pas un simple pied bois. M'pas un simple pied bois. Pas penser m'son simple bagarre comme ça comme ça. La Bible dit Jésus-Christ dit je suis le vrai sèvre. Et puis il dit papa qui est dans le ciel là est le vigneron. Ça veut dire son pied bois. Papa c'est son pied bois sans gador. Papa c'est son pied bois. Diable capable transplanter. Papa c'est son pied bois. Diable capable racher. C'est papa qui a géré pied bois. C'est papa qui a géré pied bois. Ça veut dire l'aime tout. L'aime tout pour prendre. Pour résoudre le problème. L'aime tout entraîne dans le problème. L'aime tout entraîne dans la situation. C'est parce que je voulais libérer, c'est parce que je voulais sauver, c'est parce que je voulais bon la vie, c'est parce que je voulais restaurer, c'est parce que je voulais vivre, joie vivre là, c'est parce que je voulais libérer, joie en pas bon, joie en pas bon, je voulais utiliser, je voulais marier, je voulais changer, mais joie là pas bon, prends non ma soeur, prends non mon frère. Je suis le vrai cèpe, je suis le vrai cèpe. M'sais pour toi quoi chercher, m'sais pour toi ça quoi chercher, m'sais pour toi qu'on pèse maintenant la foule, m'sais pour toi qu'on pèse maintenant l'amour. Quand elle est beau, ça va passer. Quand elle est beau, c'est que c'est que le beau.
Shekinah app. Téléchargez-le Kounia.